Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale suite à la sortie du tour de Michael Châtelain Splitkart. J'ai tenu à en faire une vidéo assez rapidement parce que je sens que cet effet peut nous amener très loin. Bonjour Brigitte. Bonjour Pascal. Comment tu vas? Ça va. Alors aujourd'hui je t'ai préparé un petit tour de cartes très 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 sympa. Mm-hmm. Ah oui, avant toute chose, ici j'ai une prédiction. Voilà, j'espère que vous la voyez bien. On regardera tout à l'heure. Mm-hmm. Très bien. Alors, un paquet de cartes. Rien à l'intérieur? Non, rien. Parfait. Un jeu de 52 cartes. Avec des faces toutes différentes. Tu peux regarder? Ça te va? Ça me va. Ok. On va mélanger un petit peu. Histoire de... Voilà. Alors, ça va être très simple. Ce que je vais faire, je vais couper. J'ai coupé. Toi, simplement, tu vas couper le jeu en deux. Alors, je te le mets comme ça, voilà. Tu le coupes en deux. Voilà, très bien. Tu prends les deux cartes qui sont sur le dessus, là. Tu me les montres pas. Les deux? Ouais. Ok. C'est bon? C'est bon. Très, parfait. Je les fais voir ou... Ah oui. Alors, tu les fais voir. Moi, tu me les montres pas. Voilà. C'est bon ? C'est bon. Alors, regarde, tu les gardes avec toi. Mm-hmm. Très bien. Donc, tu en mets une là. Ok ? Je te la remonte, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Alors, cette carte-là, je la perds dans le jeu. De toute manière, on n'a plus besoin de tes cartes parce que j'espère que tu les as bien en mémoire. Oui. D'accord ? Tu reposes. Voilà. Ok, celle-ci aussi est perdue. Le jeu est coupé. On s'en fiche. Car maintenant, ce qui m'intéresse, c'est... les cartes que tu as en mémoire. Mm-hmm. Rappelle-toi, j'avais fait une petite prédiction ici. Oui. Que je te montre. Une carte de prédiction. Alors, une question. Est-ce que ta carte est noire? Non. Ça tombe bien. Car ma prédiction, si je me rappelle bien, ouais. Je pense que au moins une de tes deux cartes correspondent à ma prédiction. Mm-hmm. Alors, je montre la carte. C'est pas le 3 de carreau? Non. Il n'y a pas un des 3 de carreau dedans? C'était quoi le nom de tes cartes? As et 2. Ah, le chiffre, tu veux dire? Non, il y avait un as, c'est ça que tu dis? Et un 2 de carreau. Bah, c'est pas mal déjà. 1 et 2 de carreau, ça fait 3 de carreau. Oui. Non, mais c'est pas mes cartes. C'est pas ça? Non, c'est pas mes cartes. Mince. Bon, vous voyez que... Bah non, mais c'est vrai. D'accord. Mais si je faisais de la magie, par exemple, si je faisais 3 de carreau en... 2 et As de carreau. Ah ouais, là, c'est mes cartes. Bravo. Alors, dis-toi bien que là, tu as assisté à un petit miracle. Mm-hmm. J'ai pu ressortir tes deux cartes. Mm-hmm. Mais on peut aller plus loin. Regarde. Après la magie, on peut faire perdurer la magie. Ah ouais? Et là, en soufflant. Maintenant, tu vois qu'il n'y a aucune triche. Toujours là. Ouais. En soufflant. Souffle-toi. Vous n'allez pas me croire. Si j'ouvre, tes deux cartes ont disparu. Mais pas n'importe où. Ouais. Car si on étale le jeu, ah ouais. On retrouve face en l'air dans le jeu l'as et le 2 de carreau. Je trouve que c'est très épatant, étonnant. Bravo. C'est surtout l'apparition des deux cartes au début qui est sympa. Oui, et puis bon, le fait que ça perturbe. Alors, c'est un tour de Michael Châtelain, Splitkart. Mm-hmm. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Parce que là, j'ai trouvé une petite idée pour amener le tour. Après, rien ne vous empêche d'avoir des idées, d'autres idées, bien évidemment. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais là, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire quelque chose derrière avec. Et je remercie encore Michael pour son invention, car elle est géniale. Voilà, bah écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Brigitte et moi serons là pour une nouvelle vidéo. En attendant, travaillez bien. Allez, bye au revoir, bye. Bye bye. Bonne journée à vous.